Je vous y vois. Eh bien, bonjour à tous. Bon, quelques instants de retard, parce qu'il y avait Facebook qui faisait un petit peu des siennes pour nous autoriser à diffuser. Mais là, je crois que maintenant, nous sommes tous Bon, là. quelques instants de retard, Facebook qui faisait nous autoriser à diffuser, mais là, je crois que maintenant. Voilà, je coupe le retour. Donc ça devrait être bon. Ben, bonjour à tous, bonjour déjà aux comédiens qui sont là, Bonjour. qu'on présentera en temps et en heure, et puis bonjour aux internautes qui nous regardent alors, en direct sur la page Facebook Réseau Théâtre, et puis en replay ou en différé, comme on dit en bon français, sur YouTube et sur notre site réseautheatre.fr à partir de mardi matin. Voilà, donc aujourd'hui une édition un peu spéciale de l'émission de scène. On renoue avec une tradition qu'on avait prise pendant les confinements où on se faisait des lectures théâtrales ou d'autres types de lectures. Et puis on avait terminé cette série de lectures en direct comme ça par une spéciale parole-parole. Donc on interprétait des paroles de chansons mais sans les chanter. Uniquement avec le texte. Donc, on était un certain nombre à avoir envie de renouer avec ça. Donc, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, juste avant de démarrer à proprement parler nos chansons sans musique, juste quelques mots de Réseau Théâtre, FFTA, encore pour quelques semaines, n'est-ce pas? Donc, juste pour dire, voilà, tout est dans le titre, hein, réseautheatre.fr, vous allez dessus. Vous avez une rubrique date, agenda. Vous allez voir tout ce que proposent les troupes, les représentations des troupes actuellement en scène, hein, sachant que les troupes amateurs ne sont pas en permanence sur scène. Hein. Il y en a qui jouent deux fois, trois fois par an. Donc, il n'y a pas un agenda non plus colossal. Mais il y a quand même une bonne quarantaine de dates de représentation annoncées. Donc, allez voir tout ça, quoi, sur réseautea.fr. Voilà. Bon, on va démarrer tranquillement, quoi, hein. Donc, on va démarrer par un grand ancien. Et puis, comme c'est le secrétaire de Réseau Théâtre, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, Gérard de la compagnie Passage aux Actes du 93 de la Seine-Saint-Denis, nos amis de l'Île-de-France. Voilà, l'idée, c'est Gérard de nous interpréter ton texte. Pour l'instant, on ne veut pas savoir ce que c'est. On va découvrir petit à petit, voir si on va reconnaître assez vite ou pas la chanson, l'interprète. Et puis, forcément, on débriefe après, puis on en parle un petit peu. Voilà. Allez, Gérard, c'est à toi. Eh bien, bonsoir et on va se lancer. J'ai prévu l'accessoire. Oh, t'as le look, Coco. Oh, Coco, t'as le look, hein. Oh, pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco, tu fais le beau. Oh, pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Look amoureux fauché. Je t'aime en PVC. En PCV. Look drogué du 16e. Des bons chics, bon genre. Look, jean pourri et sandales. Eh, t'as pas 100 balles? T'as le look, Coco. Ah, Coco, t'as le look, hein. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco. Ah, tu fais le beau. Ah, pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Nœud pape, cigare et smoking. Ça, c'est le standing. Ensemble, Coco Chanel, pour les vraies demoiselles. Look, costard bleu et cravate, eh! T'as les mains moites. Oh, t'as le look, Coco, hein. Coco, t'as le look, hein. Pas de doute, Coco. Oh, t'as le look qui te colle à la peau, hein. T'as le look, Coco. Oh, tu fais le beau, hein. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Voilà. J'adore à la fin, c'est le voilà. On sent bien le banlieusard quand même. Ben Hein. voilà, j'ai retrouvé mon origine. Oui, je ne l'ai pas fait. Ah là, yo, hey, yo. C'est quand même J'étais déjà au qui Périgord. est déjà un peu ancienne quand même cette chanson. Ah Alors, ben c'est oui, 1984. 1984. Donne-nous le titre et puis l'auteur. Voilà. Enfin, Alors, vous n'avez pas vu le titre?
Alors, c'est T'as le look, Coco, qui était chanté par La Roche-Valmont. Et La Roche-Valmont, c'était un pseudo, hein, puisque ce monsieur s'appelait Jean-Quentin Gérard. Alors, Gérard, c'était son nom de famille. Dommage, il aurait pu avoir le même prénom que moi. Et voilà, donc c'est un tube des années 80. Voilà, ce que j'aime bien dans ces tubes-là, c'est que on chantait avec, on dansait avec, et puis finalement, quand on écoute les paroles, quelquefois, on se dit que c'était pas terrible. Mais bon. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand on essaye de traduire des paroles de chansons anglaises, Eh bien, exactement, exactement. pas du tout les chansons anglaises, mais on est aussi un peu, bon, on dit, bah, heureusement qu'il y a la musique, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça prouve que finalement, on est quand même très axé musique quand on écoute des tubes comme ça et qu'on n'écoute pas forcément les paroles. Enfin, on les écoute, mais sans chercher vraiment à les comprendre, entre guillemets, et à comprendre le sens. Voilà, donc, c'est un monsieur qui a quand même fait 12 semaines, je crois, au top 50, puisqu'à l'époque, il y avait les top 50, et il était en 7e place pendant 2 semaines. Voilà. Oh, mais tu t'es renseigné Ah là. ben j'ai fait des recherches quand même pour cette superbe chanson. Donc. Tu mets la barre haut. Ah ouais, là j'ai fait des. Ah là là, j'ai pris dans le top 50 là. Ok, bah écoute, ouais, non, mais ravi d'avoir réentendu la chanson. Et c'est vrai qu'il y a la musique qui revient T'as après. le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco, Coco. T'as le look. Quelque chose comme ça. Ah, le loup se colle à la peau. Voilà. Ok, super. Alors, on va poursuivre avec Fabienne donc, de Artea. Donc, Artea, c'est l'association qui est dans le Loiret, donc le 45. Voilà, une habituée aussi de nos petites rencontres au coin du feu. Non, 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 c'est pas la mode. Au coin de la pompe à chaleur. Voilà, on va dire. Maintenant, c'est plus à la mode. Donc, bah, la parole est à toi, Fabienne, pour nous faire découvrir le texte, et puis on en parle après. Bonsoir tout le monde. J'aime pas la fin des choses. Encore une fois. Allez, viens. On met pause. On reste là. Au milieu d'une phrase, la plus belle qui soit, lovée dans ces mots doux, dans ces E, dans ces A, à la totale emphase, quand le sens est là, du vivant devant nous et des rires aux éclats. Sur le sable d'une plage, toucher des lèvres le froid, au moment où l'on mord dans le chocolat, avant de rompre la cage de ces petits riens parfaits, viens, on relit la page du début à jamais. J'aime pas la fin des choses, encore une fois, allez, viens, on met pause, on reste là. On s'endort sur la table, les verres tachés de vin, quand la nuit est une fable sans morale et sans fin. Tout au bout du grand soir, on sera les derniers, puisqu'on a le pouvoir de jamais se coucher. La réalité fuse, le rêve est plus poli, comme un tableau de maître figé dans l'infini. Gardons-nous les excuses qu'on aime tant la vie. C'est ainsi qu'elle m'amuse. 101 points sur le i. J'aime pas la fin des choses. Encore une fois. Allez, viens. On met pause, on reste là. Parce que j'ai trop aimé raconter cette histoire, parce qu'elle était cachée, je l'ai trouvée dans le noir, puisque je ne sais pas comment celle-ci se termine. Je ne vous le dirai pas. Et je rembobine. J'aime pas la fin des choses. Encore une fois. Allez, viens. On met pause. On reste là. On est quand même sur un registre différent, on va dire. Oui. On te voit plus, Fabienne, je sais pas si Ouais, t'es. j'ai l'impression que ça a déconnecté, je sais pas. Après, je ne sais pas comment faut faire. On t'entend, La donc là. voix est bien, était bien. Voilà, la voix était bien. Donc, ben, dis-nous en plus sur cette chanson, c'est de qui? Alors, c'est de Christophe Willem. C'est lui l'interprète.
Elle fait partie de son tout dernier album Panorama qui est sorti il y a quelques jours. Il faut savoir que j'ai une affection particulière pour cet artiste. C'est vraiment quelqu'un qui me touche au travers de toute son épopée, puisque Christophe Willem avait gagné un concours de jeu de chant à une époque, ça remonte à quelques années, et il a réussi à sortir de ça, il a réussi à s'extraire de ce côté « m'as-tu vu, paillettes », etc. Alors, il est passé par tous les styles, et c'est ce que j'aime. Pas une fois, on retrouve quoi que ce soit d'équivalent dans chaque album qu'il a fait. Il a tout essayé, il s'est fait plaisir, il a voulu vraiment explorer tout. Il est passé par l'électro, il est passé par des choses qui dansaient, il est passé... Alors, bien souvent, des fois, ça ne plaisait pas, ou voilà, mais il n'en avait que faire. Moi, c'est ce que j'aime dans cet artiste, c'est que c'est lui qui décidait, et c'est lui qui avait envie. Et du coup, il a fait ce qu'il avait envie. Il ne s'est pas laissé, embobiner par tout le côté du show business, entre guillemets, avec les obligations, avec faut faire ci, faut faire ça. Et moi, c'est ce que j'aime. Et Panorama, il revient, c'est entre guillemets, il se met un peu à nu dans cet album. Parce que, au travers de ses chansons, de tous ses titres, il explique un peu toutes ses failles, ses faiblesses, ses forces. Il se met à nu dans cet album. J'adore cet album. Je l'ai écouté là, depuis que je l'ai, je l'écoute tous les jours. Et cette chanson, effectivement, m'a touchée particulièrement parce que on est toujours à vouloir aller tellement. Est-ce que les choses passent à une vitesse? Que là, le fait de dire bah, stop, quoi. On pose et on savoure. On savoure chaque chose. Voilà. J'aime. C'est la fin des choses de Christophe Willem. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que là voilà, il y a le texte suffit à lui-même. Alors, moi, je ne connais pas la chanson, hein, mais ça a envie d'écouter aussi la musique, de voir un petit peu la musique est très belle. Et elle est même très enlevée en même temps, c'est ça. Elle n'est pas triste du tout, elle n'a pas ce côté... c'est ça qui est bien, ce qui fait les mélanges. Il mélange un peu le côté où effectivement les paroles sont assez fortes. Moi, c'est ce que je dis, elles sont très fortes. Et en même temps, il a une musicalité qui fait qu'on ne s'en rend pas compte quand on l'écoute au premier abord. Et moi, j'adore, c'est lire les textes. Quand les chansons me plaisent, je regarde et puis voilà. Et celle-là, littéralement conquise. C'est vrai que c'est intéressant qu'on a un décalage entre l'émotion des paroles et parfois la dureté, la tristesse des paroles et l'aspect très guilleré de la musique. Hein. Oui. Moi, j'ai en tête Stromae. Qui, oui. Ça, quoi. Oui, oui, tout à fait. La musique, très, très dansante. Puis, mais les paroles... Donc, on a ça à associer... ce décalage, ça donne quelque chose d'intéressant à chaque fois. Si tu veux, je peux me déconnecter le temps que quelqu'un d'autre passe et que tu me remettes ou pas. Au moins la caméra, peut-être. Essaye pardon la caméra. Essaye je sais la pas caméra. Comment. Ah d'accord. Ouais. Et je sais pas. Tout en bas, t'as. Oui. Pourtant, ça va être moi. Alors c'est pas. Oui. Oui. Là, je sais pas. Non, mais c'est juste, je sais pas si je vais quitter, ça va quitter et je vais me reconnecter. Ça va être plus simple. Ok, je reviens. Bien, donc je vais poursuivre. Donc moi, c'est moi, Jean-Claude. Donc moi, je suis de la compagnie Atom Scénic, donc dans l'Isère, à Saint-Marcellin. Voilà, un peu à l'initiative de ces rendez-vous. Et donc, je vais vous interpréter un texte. Donc là, je réadmets Fabienne qui devrait nous rejoindre. On va juste attendre 10 secondes. Je connecte à l'audio, Fabienne. Ouais, t'es là, Fabienne. C'est bon, c'est mieux. Voilà. Alors, bon, je vais attaquer. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi.
Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Au moment monde. Loin. Loin, 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 loin. Et le monde n'existe pas si tu es loin de moi. Loin, loin. Loin, loin, loin de moi. Vanina, ah, ah, ah. Vanina, ah, ah, ah. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Au mon monde. Loin. Loin, 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 loin. Si loin de toi. Et le monde n'existe pas si tu es loin de moi. Loin, 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 loin. Loin de moi. Vanina, ah ah ah. Vanina, ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah. Voilà, c'était donc Vanina. Oui. Moi, je me disais aussi. Oui, j'ai eu un doute à un moment donné. Interprété par Dave. Donc, les paroles sont de Patrick Loiseau, qui est son mari, qui est son compagnon depuis des dizaines d'années, quoi, qui écrit pas mal des paroles de Dave. Hein. Dave a repris pas mal de, comme beaucoup le faisaient à l'époque, de chansons anglo-saxonnes et a fait mettre des paroles bien françaises dessus, avec plus ou moins de bonheur, on va dire. Alors, je ne sais pas ce que donne la version anglaise. Là, c'est l'intégralité hein, que vous avez faite. Ouais. Donc, finalement, il y a le refrain qui est Vanina A A A, et puis il y a le couplet qui est fait deux fois. Quoi. Voilà. Voilà, c'est l'intégralité. Et je pense qu'il en a vendu des centaines. Ah oui. Oui, ça a été un succès. Alors, c'est sûr qu'avec la voix de Dave, ça, moi, je pense que ça apporte beaucoup. Quoi, hein. Quand il monte dans les aigus, toute la magie est dedans. Quoi, voilà. Je sais pas si vous en... Moi, je ne suis pas un grand, grand fan de Dave. Hein. C'était un peu pour le fun hein, que j'ai fait ça. À vous. Mais il a quand même une forte personnalité, ce gars-là. Hein. Il ouvre quand même bien sa bouche, pour rester poli, dans les interviews. Et de plus en plus, quoi. De plus en plus, il a son franc-parler, quand même, ce gars-là. Quoi. Qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps dans ses chansons. Quoi. Mais on parle, donc voilà. Il faut avoir du répondant en face de lui, apparemment. Donc voilà, c'était Vanina. Donc le décalage aussi entre le voilà là la musique je pense apporte beaucoup au succès de la chanson quoi parce que effectivement il y a ce rythme qui fait que qu'on tolère les paroles quoi. C'est comme t'as le look coco ouais c'est plus histoire que ça soit festif hein. c'est voilà hein, pour le divertissement hein. Exactement. Ça nous fait du bien. Mais c'est ça aussi. C'est pour la profondeur. Voilà, les paroles faciles à retenir. Oui. Voilà, ça... Il y a évidemment, quand il chante le refrain, ça donne toute sa portée alors qu'il n'y a qu'un mot. Quoi, donc... Oui. c'est sûr que la chanson, elle peut faire 3 minutes. Parce que comme il dit Vanina. Oui, ça. Il y a 2 minutes. Mais c'est un peu le que je t'aime avec Johnny Hallyday quoi qui que je t'aime pendant je sais plus combien fois dans la chanson quoi donc voilà ça laisse plus beaucoup de place pour les autres paroles quoi. Mais ça marche et c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour les autres paroles quoi. Enfin voilà je vais laisser la parole maintenant à l'intervenante suivante. Donc, une petite nouvelle que nous accueillons. Bienvenue, Jacqueline. Bon, on se connaît un petit peu parce que Jacqueline, on l'a accueillie en Isère dans Smartphone, qui a été joué aussi par Gérard. Donc, voilà, on se connaît. Un chouïa, quoi. Un chouïa, on va dire.
Bah, la parole est à toi, Jacqueline, on t'écoute. Eh bien, merci. Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises, on ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate à deux, comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. N'en parlons plus, mauvaise tête. Tiens, va nous voir la femme tronc. Donne-lui ses haricots de mouton. Non, maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne. Hé, maman, que m'importent les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. Laissons donc cette femme tronc, qui a pourtant un beau tuba. Et va trouver l'homme serpent, tu pourras jouer avec au bois. Pas du hautbois, de l'hélicon. Pom, 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 pom. Eh bien, il y a ton ami Élie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Non, maman! C'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. Oh, tu m'énerves. Ah, c'en est trop. Tiens. Pom, 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 boum. Toc. Il tombe. Elle l'a tué à coups de marteau. Il en a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. Con. Voilà. Registre différent. Alors, quel est cet auteur magnifique? Ouais, Bobby Lapointe. Alors, donc, je me suis. C'est l'hélicon, c'est ça, hein? Oui, c'est l'hélicon, Bobby Lapointe. J'ai choisi Bobby Lapointe parce que je le trouve très drôle. Je trouve qu'il manie le verbe d'une façon extraordinaire. Donc, j'ai passé en revue quelques chansons de lui. Puis, j'ai trouvé que celle-là était marrante comme tout. Donc, ce qui est impressionnant, c'est une véritable histoire, quoi. Ah, bah oui. C'est rare d'avoir ça dans une chanson. On a une véritable histoire parce qu'on a un répondant entre la mère et l'enfant. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Et d'ailleurs, oui, ben l'enfant, il a déjà 60 ans quand même. Hein. Oui. C'est un grand enfant. Oui, oui. Mais oui, il y a une vraie histoire qui finit mal. Mais je trouve que c'est extraordinaire, l'histoire de la femme tronc et à qui on veut les haricots de mouton, la trompette, le gars avec qui il va jouer au bois, enfin, son copain Élie qui joue avec. Et elle lui demande d'aller jouer avec lui et lui dit mais non, c'est pas ça le vrai instrument. Enfin, je trouve ça très à la fois subtil, un peu coquin. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment bien cette chanson. Ben, on voit un petit film se dérouler. Hein. Ouais. Moi, j'aurais dit un petit court-métrage et c'est bon. Hein. Ouais. On voit vraiment, ça fait très court-métrage parce qu'il y a de tout. Quoi. C'est... Ouais, ouais. Je sais pas si il faisait. Je connais pas trop hein, Bobby Lapointe, je le dis honnêtement. Je sais pas si ses autres chansons ont ce style de composition. Il a joué dans des films. Hein, les cas. Il a un univers très particulier. Hein. Mm-hmm. Ouais. Il joue beaucoup avec les mots. Et vraiment jouer avec les mots, quoi. Moi, ouais, un peu comme De Vos. Ouais, mais avec la musique. Quoi. Oui, mais avec la musique. Il y a une chanson qui s'appelle Pacati Taquité. Alors celle-là pour la. À l'articuler comme exercice d'articulation pour des ouais, ça doit être génial. Long, et il a comme ça,
c'est à découvrir, hein, vraiment. Si tu ne connais pas. Non, je ne connais pas. Oui, c'est à découvrir. Mais vraiment, il y a des petits bijoux, quoi. À chaque fois, c'est des petits bijoux. Quoi. C'est vraiment à connaître, Bobby Lapointe. Voilà, vous n'avez plus qu'à découvrir. Bravo. Bobby Lapointe. Et c'est vrai que là encore, les paroles sont très très fortes. Et il faut redécouvrir la musique parce qu'il utilise aussi des cuivres, il utilise voilà, des instruments qui sont intéressants aussi. Quoi. C'était une époque. D'ailleurs, j'ai très envie de l'écouter. Je ne l'ai jamais réécouté depuis la première fois où je l'ai entendu, pour ne pas me laisser influencer. Mais là, maintenant, j'ai très envie de la réécouter. Il faut y aller, c'est sûr, ce genre de choses. Moi, je ne la connaissais pas, l'élégant. Ouais, ouais. Et puis, il joue aussi sur la dernière syllabe aussi, quoi, quand même. Oui. Bon, il était quand même un peu canaille aussi, lui. Hein. Mm-hmm. Il est un peu dans la ouais, voilà, c'est canaille. Brassens aussi, de ces époques-là, où les gens étaient un peu limite marginaux, quoi, quand même, au début de leur carrière. Pouvaient avoir des. Assez rapidement, pouvaient virer du mauvais côté de la bienséance. Donc, voilà. Puis il est mort assez jeune, hein, je ne sais plus à quel âge il est mort. Il buvait hein, quand même beaucoup. Ouais. Ouais, il est mort en 72. J'ai regardé ça à l'instant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est né. 1956-1972, donc 56. Ouais, non, il n'est pas. Oui, il est mort jeune. Il est mort jeune. Mmh. Bon. Ah oui. Bah, il arrivait sur scène bien. Ah oui. Il ne terminait pas toujours ses tours de chant. En plus, avec le type de parole, t'as intérêt à être à peu près. Ah oui. En forme. Ou au contraire. Ça l'aidait peut-être. Il a joué dans des films, il interprétait son propre rôle, il chantait quoi. Donc il y a des chansons dans les films aussi, c'est vraiment à voir aussi, parce qu'il avait une dégaine, il se secouait comme ça. Ouais. Enfin bon, c'était. Voilà. Il était tout le temps comme ça. C'est très rythmé en fait, les chansons, elles sont très rythmées. Sur le rythme de ces chansons. Quoi. Bien, ben, merci Jacqueline. On va passer à l'interprète suivante. Je vais essayer de voir si elle est là. Dominique, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Je suis bien là. Oui. Ah, ok, Dominique est là. Donc, Dominique, de la compagnie Atom Scénique du 3-8. De l'Isère. Voilà. De Saint-Marcelin. Donc, voilà. Donc, fais-nous découvrir ce texte et puis après, on en parlera. 700 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon poing au foie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. 300 ou 400 millions de Noirs, et moi, et moi, et moi, qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi, avec mes manies, mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi, qui regardent Catherine Langer à la télévision chez moi. 900 millions de crèvent la faim, et moi, et moi, et moi, avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi, je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. 500 millions de petits Martiens, et moi, et moi, et moi, comme un conte parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi, et moi, dimanche, à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. Alors, en fait, j'avais, pour cette émission, j'ai sorti cette fois-ci mes carnets de chant, mes anciens carnets de chant.
Et je suis tombée, sur Jacques Dutronc. Et en fait, et moi. Parce qu'en fait, ça m'a fait sourire cette chanson, parce que je me suis dit, ah oui, à l'époque, on était quand même moins nombreux. Je n'ai pas regardé sur Google combien maintenant il y a d'habitants en Chine, combien il y a d'Indonésiens. Enfin bon, comme on est déjà au moins, on est plus de 7 milliards maintenant. Ouais. Sur... Il y a peut-être un an ou deux ans, on était 7 milliards. Alors on doit être en... Ça augmente tous les jours en plus. Voilà. On revient toujours à notre imperfection, c'est ça que j'ai apprécié, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde de nantis, et voilà. Et là, j'ai pas dit le refrain à chaque fois, mais c'est toujours voilà, il y en a qui crèvent la faim, j'y pense. Et puis j'oublie. Il y a rien qui n'a changé, quoi. Hein. Autant il y a des choses très typées comme Catherine Langette, personne. Ça, ça a été. Déjà, tu dis Speakerine, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. 50 ans ne connaissent pas Catherine Langette. C'est vrai que j'aurais pu changer Catherine Langette. Ah non, bah non. Il n'y a plus de chiffres. Il n'y en a plus un de Speakerine. Il faut revoir tous tes chiffres, Dominique. Il faut que tu nous fasses ça correctement pour la prochaine fois. Voilà. Oui, voilà, tu corrigeras. Après la chanson, quoi, après les paroles. Mais là, alors, l'auteur, tu connais l'auteur? J'ai dit Jacques Dutronc, oui. Non, ça, c'est pas l'auteur. Ah non, l'auteur, c'est en l'auteur, plus, c'est de Jacques Lanzmann. C'est Jacques Lanzmann. On voit bien la patte de Jacques Lanzmann. Voilà, c'est là aussi sur... Et la musique est de Dutronc, par contre. Oui, oui, oui. Mais par contre, il a Lanzmann. Moi, c'est ce que je trouve phénoménal et très intéressant dans les paroliers qui travaillent pour des interprètes. Ils se mettent vraiment à la place de leur interprète bien souvent, et on a vraiment l'impression que les paroles collent vraiment à l'interprète. Et là, c'est le cas. Alors, peut-être qu'ils avaient beaucoup de choses en commun, Lanzmann et puis Dutronc, mais quand ils parlent de siffler son whisky, etc., on voit bien que c'était du Jacques Dutronc pur sucre, ça. Et moi. Maintenant, il vit en Corse tranquillement. Voilà, il se fait... Il vit une retraite bien heureuse là-bas. Voilà, il a toujours été aussi un peu en marge quand même du show business. Quoi. Et puis il a bien pensé à lui, quoi. Ouais, voilà. Surtout moi, ouais. Voilà. Et lui. Et c'est vrai, voilà, c'est savoir aussi choisir ses auteurs. Je pense que voilà, on peut dire oh, un interprète, oh, bon, il écrit pas et tout. Mais voilà, ça me fait penser à Johnny Hallyday, qui de décennie en décennie a su choisir vraiment ses auteurs, quoi. Ses musiciens, ses auteurs. Voilà, quoi. Il y a des gens qui on n'apprécie pas, quoi, mais je trouve ça intéressant aussi, quoi. Il n'y a pas que l'écriture de la musique et des paroles, il y a aussi le choix de tout ça. Et un peu comme en théâtre, quoi. Il y a l'auteur, et les mises en scène et les interprètes. Voilà. Ben merci, Domi. De rien. Ça, fait... Tu connaissais Fabienne, Jacques Dutronc? Ah oui, quand même. Ça a bercé. Non, mais merci quand même. c'est pas celle-là qui m'a marqué de Dutronc. Moi, c'était quand Paris s'éveille. Celle-là m'a énormément marquée. C'était vraiment une chanson que je me souviens quand mon père partait, mes parents, pardon, partaient en vacances. Ils avaient le chic de nous réveiller à 3-4 heures du matin pour partir. et ils mettaient, effectivement, on avait un radio cassette dans la voiture parce qu'il n'y avait pas d'autoradio, hein, tout ça. Donc maman, elle emmenait le radio cassette. Donc il y avait des cassettes. Et il y avait cette chanson-là, et ça m'a marqué parce que le jour n'était pas levé que j'entendais déjà la chanson, quoi. Donc Paris s'éveille, et c'est vrai que celle-là, elle m'a marqué énormément, quoi. Voilà. Celle-là, c'est aussi toute une histoire. On parlait d'histoire dans une chanson, là aussi. Paris s'éveille, c'est vraiment. Ah oui. C'est un petit film aussi. Certaine époque, quoi, bien sûr. Un petit documentaire. Complètement. Bien, allez, on va poursuivre un petit peu.
Parce que le temps tourne. Non, ce n'est pas le temps qui tourne, c'est les aiguilles. Hein, qui tournent. Le temps, il est là. Donc, je vais continuer par moi. Ouais, c'est bien. Et toi ouais. Alors, même chose, hein, je vous dirai après de qui c'est. Je ne vous en dis pas plus. J'ai oublié mon cerveau dans mon cartable au fond de l'auto. Maman, cours vite me le chercher. Je suis perdu sans. Je perds du sang. Qu'est-ce qui m'arrive? Je perds mon sang froid. J'ai froid. Je n'aurais pas dû aller à l'école aujourd'hui. Ils m'ont encore battu. Tu bats le tapis? Oh, le tapis s'envole. Je suis sur le tapis. Je vole. Maman, regarde, je vole. Maman. Adieu, maman. C'était le moment un peu plombant de la soirée. Oui, j'imagine, ouais. Ah, c'est génial. C'est génial, cette écriture un peu automatique, là, avec des enchaînements. Qui raccroche les dernières syllabes pour faire une continuité. Ah ouais, c'est une écriture superbe. Donc, c'est de Hubert-Félix Thiéphen. D'accord. Grand franc-comtois devant l'éternel et amateur de cancoyotte. Il a une chanson sur la cancoyotte aussi. Alors lui, il est inclassable, quoi, ce gars-là. Hein. Donc ça s'appelle « Variation autour du complexe ». Je ne vois pas le titre par rapport à la chanson, mais… Je ne vois jamais le titre par rapport au son. D'accord. Je crois qu'on en avait fait une, je crois, ou je la referai peut-être. Qui démarre par « Ce matin, le marchand de coco n'est pas passé. Et au lieu de se rendre à l'école, tous les vieillards se sont amusés à casser des huîtres sur le rebord du trottoir avec des démons de pneus. » C'était juste le début pour vous dire que ça s'appelle « La Vierge au Dodge 51 ». Ok. Donc ça, c'est sa période un peu… Comment dire? Un peu… Psychédélique, c'est ça? Ouais, voilà. Allumé. Psychédélique. Allumer le feu. Les couleurs un peu fluo, machin, truc. Quoi. Donc, mais elle est bien écrite, par contre. C'est un auteur magique, quoi. Auteur-compositeur. Voilà. C'est lui qui a écrit la fille du coupeur de joint. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mm. C'est une anthologie, ça. C'est vraiment sa période où il touchait à tout, quoi. Le joint et plus si affinité, quoi. Mm. Moi, je l'ai connu dans les années 80. Et en fait, il ne passait jamais à la télé. Parce que c'était quand même déjà… Il était assez timide quand même. Enfin, il était mal à l'aise de toute façon. Il n'en avait rien à faire du showbiz. Mais seulement, il avait plein de monde à ses concerts. Hein, super. Et puis, disque d'or à chaque fois. Nous. On est allé le voir à Paris. C'était l'Élysée Montmartre, une ancienne salle de catch près de Montmartre. Et vraiment, c'était phénoménal, quoi. Ils étaient quatre sur scène, quoi. Il avait un bassiste, une grosse armoire qui était sur un grand cube et qui jouait de la basse. Mais vraiment, voilà, c'est très… Et beaucoup de choses dans les solos de musique aussi. Voilà, les solos, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ces musiques aussi. Et sur celle-là… voilà, la fin, il y a une envolée lyrique de musique. Oui, j'imagine, oui. C'est phénoménal. Il s'envole à la fin, donc la musique s'envole aussi. Quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment un artiste que j'adore vraiment. Quoi. J'ai vu plusieurs fois en concert, lui, il y a quelques dizaines d'années, par contre, mais il continue à tourner. Hein, il continue à tourner. Là. Oui, il a sorti un album, je crois. Ouais, il sort un album. Mm. Là, et donc c'est vraiment il est devenu plus commercial il y a à peu près 5, entre 5 et 10 ans il ouais, était, c'est, ses chansons sont plus accessibles on l'a vu à la télé. Ouais.
Non, mais il a fait des belles mélodies, il fait des très très belles mélodies quoi, aussi, quoi. Et puis ses textes, au moins dans ses premiers albums, sont complètement délirants quoi. Il y a un album qui vous incite à les retrouver, on le trouve sur YouTube. Hein. De l'amour, de l'art ou du cochon. Là, il y a tout dedans, quoi. Il y a tout. Tous ses premiers albums, il y a vraiment tout. Il y a une chanson qui s'appelle Lorelai aussi, qui est magnifique. Elle est belle, celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, pour vous dire que j'aime bien le gars, quoi. Voilà. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Gérard. Oui, j'essaye de parler un peu, mais c'est pas. Bon, on va refaire une alors. Avec toutes ces nanas, t'arrives pas à en placer une. Ah oui, non, ça, c'est pareil avec les hommes. Une sans accessoire. Sans accessoire. On va essayer de faire nu. Allez, nu. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublierais vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, mais prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste! Prouve que tu existes! Cherche ton bonheur partout, va! Refuse ce monde égoïste. Résiste! Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste, résiste, résiste. Résiste pour que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Voilà. Limite, tu nous fais un peu peur, quoi, quand même. Oh. Non, il est convaincant, moi, je trouve. C'est ma spécialité, c'est de faire peur. C'est son côté hargneux. Voilà, je fais très bien l'hargneux. Il faut ça contre ce monde égoïste. Mais Martinez de la CGT, il a intérêt à se tenir à cœur. Il m'a contacté il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Pour la succession. Non, bon, vous avez reconnu. Rappelle-nous. Ça monte en puissance. C'est pas mal. Bah, c'était donc Le Cheval de Troie de Hugo Frey. Ah oui, bien sûr. Non, c'était Résiste de Michel Berger, chanté par France Gall. J'avais pas mis la perruque, hein, j'aurais pu mettre l'accessoire. Vous voyez pas les coups de. Mais bon, vous m'aurez reconnu tout de suite. Ouais. Si j'avais mis la perruque blonde. Bien sûr. Voilà. Ouais. Non, mais j'ai cherché une chanson. Voilà, celle-là, c'est vrai qu'elle fait. Elle colle pas mal avec ce monde d'aujourd'hui aussi. Hein. Par contre, j'ai pas regardé quand est-ce qu'elle avait été écrite, mais bon, c'est les années 80, ça aussi, je crois. 80, peut-être pas 80, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est. Enfin, Michel Berger, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Et bon, France Gall, j'aimais bien aussi. Non, c'est vrai qu'ils ont, là, ils se sont bien trouvés tous les deux. Hein. Entre l'écriture et puis les interprétations, c'était pas mal quand même. Voilà. Elle a changé d'Annie aime les sucettes, c'est sûr. Alors, j'ai failli l'apprendre, mais bon, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore des enfants qui écoutaient à cette heure-là. Donc... Bon, cela dit, on peut l'écouter sans... T'as pas compris. Hein. Oui, bon, sans comprendre, puisqu'il paraît que France Gall, ça a été son cas. Et qu'elle n'a plus jamais parlé à Gainsbourg à cause de ça, parce que... Quand elle a compris ce qu'il lui avait fait chanter, elle n'a pas aimé. Il faut dire que ce n'était pas très sympa. J'aime bien Gainsbourg, mais ce n'était pas très sympa. Surtout qu'elle était jeune, quoi. C'est surtout tout ça. À fait, non, mais c'est ça. Elle était trop jeune. Je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans, je crois. Oui, si les souvenirs sont exacts. Elle pas même, ouais. ne lui est soufflé dans l'entourage, c'est ça qui. Ouais. Ça me semble bizarre. Ouais.
En portant sur la polémique, ils sont tous morts, de toute façon. Oui. Regarde les morts. Ah oui, Michel Berger est mort jeune aussi, lui. Hein. Il aurait pu avoir une longue carrière, mais bon, malheureusement. Ah ben ça, faut pas faire trop de sport. Hein, ça. Oui, moi j'ai décidé d'en plus en faire parce que. C'est ce que disait Churchill, mais d'où vient cette énergie, cette grande énergie? Et il répondait no sport. Michel Berger, oui, il cardiaque. On joue au tennis. On joue au tennis. Bah, faut dire que le tennis, c'est. Ouais. Mais bon, bah, après, il avait un problème hein, qu'il ne connaissait pas visiblement. Voilà, ça c'était pour la côté gay de la chanson. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est chou, quoi, les chansons de Michel Berger. Ah, il y avait des belles paroles, hein, quand même. Parce qu'il y en a beaucoup de mauvaises, quoi. C'est... quand même. Il a écrit pour d'autres aussi, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. C'est... Donc, sans accessoires. Un artiste. Fabienne, ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu non plus. Quand je serai jeune, je prendrai la part des lions et je ne prendrai plus les oui pour des non. Et accroché aux aiguilles des pendules, je ferai tout pour que le temps recule. Quand je serai jeune, je quitterai les bancs de touche et je serai capitaine de l'équipe de foot. Et j'apprendrai aux grands qu'on ne grandit pas en marchant sur plus petit que soi. Et quand je serai jeune, je te prendrai dans mes bras. J'essaierai de rire plutôt que de rire de toi. Et je m'entraînerai des heures dans la cage pour casser la gueule au bizutage. Ce sera mieux avant la fin du commencement. Quand je serai jeune, je ne jouerai pas la montre. J'aurai moins peur de faire des rencontres. J'arrêterai de lire les dernières pages pour m'épargner la fin des voyages. Quand je serai jeune, je prendrai ta part d'ombre pour en faire de la musique du monde. Et je découperai des morceaux de nuit pour te faire des robes d'origami. Et quand je serai jeune, je referai plein d'erreurs pour noircir des pages, pour habituer mon cœur. Et je te dirai de garder notre enfant pour te garder avec moi plus longtemps. Ce sera mieux avant la fin du commencement. Quand je serai jeune, je prendrai la tangente, toujours perpendiculaire à la pente. Je lâcherai les combats perdus d'avance. Je laisserai moins de place à la chance. Et quand je serai jeune, je volerai dans les plumes. Je prendrai mon étoile et ma parcelle de bitume. Je t'empêcherai de prendre le volant. Un 3 décembre, avec 3 grammes dans le sang. Ce sera mieux avant. La fin du commencement. C'est une chanson du dernier album de Kiwola. Moi, j'ai fait les derniers albums. Pardon ? Dernier en date, pas dernier à vitam aeternam. Oui, non. Non, non, il est sorti pareil, il n'y a pas très longtemps. Là, maintenant, ils font la tournée. Il est sorti en... Moi, je l'ai découvert il y a peu, parce que Kyo, je les aime beaucoup depuis leur début. C'est vraiment un groupe qui m'a touchée par leur... Parce que déjà, ils écrivent leurs textes avec les deux frères. Et surtout... Ben, je les ai vus évoluer au fur et à mesure de leurs albums aussi. Et on a vu leur jeunesse, on a vu... Et là, ils ont une maturité, quoi. Ils ont vraiment... Ils sont arrivés... Ben, ils sont parents, voilà. Et du coup, ben, y a ce regard en arrière, quoi, des erreurs qu'on peut faire, qu'on aimerait bien réparer. Et que malheureusement, voilà, quand on est plus vieux, on se dit, ah là là... Si j'avais su, si j'avais vu, si... Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que on a beau aussi, moi je le vois au travers de mes enfants, j'ai beau les prévenir, leur dire attention, ils s'en foutent, et le cercle recommence et ils feront leurs propres
erreurs, ils font leurs propres. Et voilà, on n'arrive pas, malgré tout ce qu'on nous, on a connu, tout ce qu'on a vécu, on a beau les mettre en garde, les conseiller ou leur dire attention, ça ne change rien. Ils devront passer quand même par leurs propres erreurs. Ils tomberont aussi, ils se feront mal aussi. Et quand on regarde en arrière, on se dit, mon Dieu, c'est vrai que... Moi, il y a une phrase que j'aime énormément dans ce titre, c'est « J'essaierai de rire plutôt que de rire de toi ». Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a fortement marquée, où j'ai vraiment eu ça quand j'étais beaucoup plus jeune, où on se moquait énormément de moi quand j'étais plus jeune. Peut-être pour ça que j'ai voulu faire du théâtre, pour enlever ce côté un peu, prendre de l'assurance. Voilà. Mais je vois que c'est de pire en pire. C'est ça le pire. Moi, ça s'est contenté par des rires et des moqueries de mon nom. Alors que maintenant, ça va bien beaucoup plus loin à l'heure actuelle. Et je n'arrive pas à comprendre. C'est con à dire, mais souvent, je me dis dans ma tête, il faudrait qu'on soit vieux et qu'on rajeunisse. Qu'on fasse le chemin à l'envers. Ce serait tellement plus magique et on passerait peut-être pas par des douleurs qu'on a dans l'enfance. Voilà. Ouais, c'est ça la vie aussi, quoi. Moi, ça me faisait penser à une chanson, alors qui doit dater des années 30, ou qui s'appelle « Si on pouvait arrêter les aiguilles ». Là aussi, quoi, c'est arrivé à un certain âge de la vie, on dit « Ah, tiens, si ». Il y a des moments où j'aurais aimé que ça s'arrête à ce moment-là, quoi. Et là, maintenant, il est trop tard par rapport à des choses que j'aurais pu faire différemment. Mmh. Et bon, mais d'un autre côté, si on se dit ça, on est dans le regret permanent, quoi. Donc, c'est... Oui et non, c'est pas, enfin, je pense pas d'être dans le regret permanent, c'est juste se dire, c'est dommage parce qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à faire comprendre à nos enfants, hein, j'entends, parce que je ne parle pas des autres ou quoi, on n'est pas là pour porter la morale ou quoi, j'en ai rien à battre de ça, mais nos propres enfants, on essaye justement de les prévenir quelque part, parce qu'on a une certaine expérience, et qu'eux partent du principe que, non mais c'est bon, t'es vieille quoi, enfin, on sait nous. Et je sais, j'ai eu la même réaction vis-à-vis de mes propres parents, alors je le sais. Et maman qui disait sans arrêt, mais tu verras quand tu auras mon âge, le truc bien chiant. Ouais, exactement. Et voilà, mais oui, mais on le vit, et c'est comme ça. Et peut-être qu'il faut passer par là, peut-être. Mais non, j'ai pas de regret. C'est juste, je me dis, j'aimerais leur éviter des douleurs, parce que moi, je sais lesquelles on peut avoir. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. On doit faire nos propres chemins. Voilà. C'est par les douleurs aussi qu'on progresse et qu'on crée. Et que... Peut-être. Il y a beaucoup qui ont écrit, alors que ce soit des romans, des chansons, parce qu'ils ont eu des grosses douleurs, quoi, et ils ont fait des choses extraordinaires, quoi. Bah oui. Voilà, ça devient philosophique, là. Attention, hein. Picapoum. Merci Fabienne de nous avoir découvrir le nouvel album de Kyo. Playback, c'est comme ça. La part des lions. Voilà, c'est le dernier album de Kyo. Et puis Jacqueline, ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu non plus. Alors moi, c'est tout le contraire. La chanson que j'ai choisie, c'est tout à fait autre chose. C'est plus un regard vers l'avenir qu'un regard vers le passé. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure? Combien d'instants loupés par peur parce qu'on ne se sent jamais prêt? À tout remettre au lendemain, les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait,
on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tous nos projets, des regrets, le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, la passion va casser. Et finalement, tu t'es lancé. Sous la pluie, tu l'as embrassé et c'était mieux après. Demain est un joli pays. À chaque minute, tu le franchis. Et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier un aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière. Et on se noie dans des verres d'eau à trop tourner autour du pot. On pourrait, s'il le faut, repartir à zéro. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure? Combien d'instants loupés par peur? Parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain, les mots, les courriers ou les trains. On devient nos propres barrières. Et on se noie dans des verres d'eau à trop tourner autour du pot. On pourrait, s'il le faut, repartir à zéro. Quand finalement tu t'es lancé, ta vie, tu l'as recommencé. Et c'était mieux après. Oui, finalement tu t'es lancé, ta vie, tu l'as recommencé. Et c'était mieux après. Voilà. Ah, j'aime bien. Ouais. Donc, ben, dis-nous en plus sur ce texte, son auteur, son interprète. C'est Calogero et le titre, c'est « C'était mieux après ». Voilà, je ne connais pas spécialement Calogero. Ah ben, c'est fou parce que je connais… Mais alors là, je vais la réécouter parce que je la découvre. Ah oui, c'est marrant. Ah ouais, ouais, je la découvre totale, quoi. Et je la trouve tellement juste, tellement bien, tellement, tellement pleine d'espoir, tellement pleine d'espoir, d'envie de vivre, de franchir les frontières, de pas piétiner, de pas se fixer des barrières à la con. Enfin, si on a une occasion, eh ben, il faut y aller, quoi. Alors, avec modération quand même, hein. Ah oui. Pas de faire tout et n'importe quoi. Mais si on a une vraie occasion, ben, il faut se lancer, quoi. Et après, on ne le regrette pas, en principe, si on a bien réfléchi. Je voulais savoir de quel album c'était, parce que je suis en train de me poser la question. J'ai une idée. Enfin, je n'ai pas fait de recherche véritablement. Ouais. J'ai trouvé que ce texte était sympa. Oui, oui, franchement. En fait, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé et je l'ai écouté et je me suis dit, oh, c'est intéressant ça. Voilà, ça m'a parlé, on va dire. Là aussi, on a envie d'écouter la musique. Oui, oui, complètement. Exactement. Ouais. Et je voulais savoir de quel album et je n'arrive pas à trouver. Oui, sur Google. Oui, bah, c'est, je suis dessus justement, mais je. Et ça, j'ai le clip à fond, mais je n'ai pas le. De quel album? C'était alors, mieux après. Ah ouais. Entre le c'était mieux avant et le c'était mieux après. Hein? Oui. Pas mal, c'est non, pas mal. La chanson précédente, c'était pas c'était mieux avant. C'est essayons de tirer les enseignements de oui. qu'on a vécu. Oui, voilà. C'était mieux avant. Ça serait plutôt. Parce qu'en plus, c'est pas c'était mieux, c'était ce sera mieux avant. Oui, en plus. Voilà. Mais ben mince, j'arrive pas. Ouais, je vois pas de quel album, c'est dommage. Il parle bien de la chanson, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sympa, c'est de mettre dans quel. Dans quel album. Tu vas trouver, tu vas trouver. Ouais. C'est un jeu concours. Oui, bien sûr.
Apparemment, c'est l'album qui s'appelle Centre-ville. Ah, date d'accord. Date de sortie 2000. Ok, alors je ne l'ai pas celui-là. Ok, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Parce que moi, j'ai les feux d'artifice et j'ai Liberté Chérie. J'ai Face à la mer, mais je n'ai pas Centre-ville. D'accord, et bien écoute. Il en faut un. Il en faut un de voilà. Plus dans ta collection. Oui. Non, mais c'est pour ça, parce que j'ai dit, mais c'est bizarre. Je ne la connais pas et pourtant, c'est un artiste que j'aime bien. Et voilà. Et là, j'avoue, j'étais agréablement surprise. Vraiment, merci. Ça va être un mot. Nous allons faire découvrir aussi ce texte-là. Et puis là, on va finir avec Dominique. Dominique, tu es toujours là ? Oui, toujours là. Donc là, avec un classique. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison ? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère et de piquer tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. Et j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce petit coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Pour aller nulle part, et pourtant, j'en suis fière. La 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 la. Elle est très belle, cette chanson. Alors, en fait, pourquoi je l'ai choisie, cette chanson ? C'est parce que, tout simplement, un petit air nostalgique, ça me faisait penser à la rivière du village de ma grand-mère. Alors bon, nous, les ponts, ils n'étaient pas spécialement en bois, ils étaient quand même métalliques, les plus grands. Mais il y avait quand même, je me souviens d'un petit pont quand même, il y avait des marches chaque année, des marches annuelles, où justement ils ouvraient les prés. C'est pour ça qu'on n'y passait pas souvent sur ces petits ponts, parce qu'ils ouvraient pour la marche, ils ouvraient spécialement des prés et des fermes où on pouvait passer. Pour faire 5 km, 10 km ou 15 km. Et ce qui m'a plu aussi dans cette chanson, c'est que quand même, il est assez futuriste, Yves Duteil. Donc c'est Yves Duteil, quoi, précisément. Oui, Yves Duteil. Parce qu'à un moment donné, il dit car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Par an, oui. Très bon histoire, quand même. Alors là, mais là c'était très bon histoire par rapport à cette année. Donc voilà, et c'est vrai que finalement, j'ai retrouvé la chanson « Si prendre un enfant par la main ». Cette chanson-là, je ne peux pas dire que je l'appréciais beaucoup. Et puis finalement, c'est pareil, j'ai encore lu les paroles, et vraiment pour donner confiance à l'enfant. Donc vraiment, il a tout juste hein, quand même, Yves Duteil, poétique, c'est à la fois simple et bon, ça m'a fait du bien de lire Le Petit Pont de Bois d'Yves Duteil. Oui, c'est années 80 aussi. Oui. Et c'est vrai, il était quand même un peu à contre-courant de ce qui se faisait. Oui. Bon, il y en avait quelques-uns comme ça hein, qui étaient à contre-courant. Lui, ça fonctionnait encore à ce moment-là. Quand même ces moments de grand succès, quoi, quand même. Hein. Ouais. Et c'est vrai, avec ces mélodies un peu. Voilà, juste la guitare, presque. Un peu hors temps, avec des paroles aussi voilà, très poétiques. Très... Un enfant de Brassens aussi, quoi. Hein, la guitare, quoi. Bah, on a été très, très nostalgique, le temps qui passe, le temps passé, le temps futur, le temps, le temps, rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre.
Aznavour, alors, pour moi, c'est un maître, Aznavour, mais bon. Voilà, autant en tant qu'auteur que compositeur et qu'interprète et que comédien. J'en interpréterai à un autre moment. Merci à vous, les comédiens. Merci à toi. On va dire merci à nos spectateurs. spectateurs qui nous ont vus soit en direct, soit en différé. Et puis, on vous donne rendez-vous à tous le mois prochain, normalement le premier lundi du mois. Je pense qu'on essaiera de refaire des choses du même type, avec des paroles de chansons. Donc, si vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. On vous fait une petite place sur notre écran pour vous accueillir et puis découvrir ou redécouvrir des chansons par les paroles. On reste ensemble, les comédiens, pour débriefer un petit peu tout ça. Et puis, on dit au revoir aux internautes. Et puis, je vais couper le lien. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.